Monsieur Griffon, est-ce que vous êtes chaud pour ce Mastodonte War 3? Plus que chaud, chaud bouillant, chaud bouillant. Pauvre fou, n'avez-vous pas compris notre supériorité? L'année dernière, il s'agissait d'une simple bataille. Aujourd'hui, c'est la guerre. Aujourd'hui, mon armée est bien plus puissante, humain. Et son unique but est d'en finir avec vous. 1-2, 1-2. Connexion établie, général. Soldats, nous revoilà. La connexion est stable, général, vous pouvez parler. C'était lui, leur chef. Il semble si serein. Et comme vous l'avez remarqué, il semble avoir un plan. À nous de comprendre quel est-il. Trouvez un maximum d'infos et écrasez-les. Yeah, it's our time to shine. Show that's the kind of state of mind you gotta combine with hard work and time. You gotta climb to the top. Don't let yourself drop till your heart stops. Let this beat rock. Got a new clock and a new stock for this new rock. Just let your mind loose from the new stock. Drunk off the goose, yeah. Thinking that I'm too pop, yeah. Getting caught with a few thoughts, cause I'm about to go off. Speakers can't even handle me. Give it what I got, nobody's gonna drain my energy. And I will never stop, I'm motivated by enemies. Setting up shop so everybody remember me. And though I am not going through life regretfully, I'd rather work non-stop, what they call incessantly, then want some odd job just to live life pleasantly. Already got lost in my mind, not a fantasy, I'm getting there. With a forgotten soul, so stop, drop, and roll. You lost all control and pop off your bowl. I got squat, I fold, I'm not bought, I'm sold. My stock rocks, it's gold. Hey, knock, knock, she hold, it's tick-tock to close. I ain't stopping though, it's hip-hop, you know. What was it, rock and roll? I'm not dropping dough, no, my pockets grow. You can't stop the show, so get rockin' on. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. You know I'm in. Taking that crown from you. I ain't worried about your pain. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. You know I'm taking that crown from you. I ain't worried about your pain. Need to make friends. Yeah. I ain't never slowing down. Keep on going till I'm back. Now I'm never slowing down. Cause we're going up. Like a weapon, attack with no questions. In my own section and they still disconnected, cause their mind's been infected and they're filled with objection. Too filled for recollection, so we're losing all attention. They don't know I'm in contention, cause I'm gaining their attention, cause I'm making a connection. Lyricism and aggression got me feeling my ascension in my passion, my profession. I'm attacking my obsession, taking action and progressing. I go off on the enemy, that's what makes them scared of me. Make my plans carefully, then execute them daringly. They say I act recklessly with... L'OP Mastodonte War 3 vient de commencer. Les 250 joueurs sont en place, les mastodontes sont en place. Afin d'activer les mastodontes, une énigme est à résoudre. Et toi, pourquoi on active déjà? Alors si, on a besoin de toi pour porter un cercueil. Donc là, ils viennent d'activer un de ces modules. Il y en a 4 à activer. Attention! Thank you.
pas bon de faire. Ça mon gars. Merci. Dans mon cul. Ah! Mon cœur! Monte dans, au niveau de mon cul. J'ai attention, les cornes à gauche! Les cornes à gauche! Alors, on est avec Post Café Airsoft. Salut! Ton ressenti en tant que joueur pour cette Mastodonte War 3? Bah, c'est bien cool. C'est bien crevant par contre. Hein. Je pense que faut aimer courir. Parce que quand t'as les mastos qui arrivent sur la tronche, t'as tendance à fuir. Mais non, c'est cool, c'est dommage qu'il n'y ait pas le temps avec nous. Mais non, c'est bien cool, c'est la première fois que j'y vais. L'ambiance est là, franchement, au niveau son, c'est tip top. Niveau scénario, c'est tip top. Organisation, je crois que c'est l'association la plus carrée que j'ai jamais vue. Je pense qu'on peut pas faire mieux. Ouais, c'est nickel. Yes. À part dire que c'est génial, faut venir, faut venir pour tester. Le croire, comme on dit. Merci pour ton ressenti. Va derrière. La page Facebook de Post Café Airsoft sera dans la description, n'hésitez pas à faire un petit tour. Ouais, venez. Donc là, je suis avec mes deux acolytes de Post Café Airsoft qui sont venus me rejoindre dans l'aventure. Donc n'hésitez pas à venir sur la page et puis on se retrouve pour d'autres infos. À 5h, ce n'est pas du tout. Salut, je me présente, Mastodonte Le Boucher, l'Area 51. Que penses-tu de cet événement Mastodonte War 3? Ah, excellent, on prend du plaisir, les joueurs ils en prennent aussi, ils kiffent à fond. T'as perdu frag un peu? Gavé. Le kill. Pas trop physique? Un petit peu, mais bon, on fait avec. Tu sais combien de tests t'as tenu ou quoi? Je suis à peu près, la tenue complète fait à peu près 35 kilos. Pourquoi avoir fait une tenue comme ça, Le Boucher? Bah déjà, moi de base, mon métier c'est la boucherie. Ouais. Et il n'y avait pas beaucoup de mastodontes comme ça. Mmh. Et je voulais pas ressembler à tous les mastodontes quoi. Je voulais être un mastodonte à part. Alors pour ça j'ai fait cette tenue là avec tout ce qui est les tiries,
côte de maille, tête de cochon. Ça fait combien de temps que tu fais partie de l'Area 51? Ça fait bientôt 3 ans. On entame maintenant la phase 3 de Mastodonte War, les pizzas. Tu l'as venu? De plus près. Ça va là-bas. Attends. Attention, attention. Putain, c'est lourd. Bien joué, mec. Bien joué. Allez, vas-y. Allez, défends-toi. Allez. Allez. Combien de pièces pour les bras? Vas-y. Allez. Oh. Oh. Tu t'es fait maîtriser. Oh, le con. J'aime les femmes, là. Je tiens, c'est dommage. Merde. Ok, je tourne. On a eu. Ah bon. Attends. C'est bon, désactivé. Allez, on va finir, il va pas au torse. Allez, torse. Allez. Ouais, il a touché. Il a été touché. Ah. Et là, touché rectal.
Salut les amis, bah, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'OP Mastodon 3 sur le stand SG. Donc mes avis et mes impressions sur cette OP. Donc moi c'est la deuxième participation à Mastodon Tour. Encore une fois, je pense que c'est une réussite. Les Areas 51, c'est toujours un plaisir de venir ici parce qu'il y a une très bonne ambiance, il y a une très bonne dynamique de jeu, c'est super fun, on passe un week-end de ouf. L'OP Mastodon Tour 2, c'était génial. Mastodon Tour 3, c'est exceptionnel. Je pense que je peux officiellement le dire. Je fais le tour de la France, ceux qui me suivent, je fais le tour des OP. Mastodon Tour, c'est quand même encore autre chose, c'est encore un autre niveau. C'est encore... j'ai pas de mots, c'est l'une des plus belles OP de France quasiment, donc je suis hyper content d'être là. J'ai joué du coup sur l'OP, ceux qui vont voir, j'ai une petite piqûre de moustique, mais c'est rien, ne vous inquiétez pas. Génial, très bonne dynamique de jeu, très bon scénario. On s'est bien marré avec Redo, c'était bien cool. Et puis voilà, on est content d'être là et c'est génial. Donc éclatez-vous, surtout jouez sérieusement sans vous prendre au sérieux, c'est ce qu'il faut. Allez, la bise à tous. Legends never die. When the world
Bonjour à tous, je me présente, moi c'est Griffon, président de l'AREA 51, fondateur du mouvement Mastodont Wars 3, que j'ai créé il y a 3 ans de cela avec Mastodont Wars 1, qui est parti d'une base d'un anniversaire, le 6 août, mon anniversaire. J'ai voulu bêtement proposer à des amis Masto s'ils voulaient participer à une multi-asso AREA 51 avec des mastodontes. Le problème c'est qu'ils ont répondu à 16. Donc on a involontairement fait le premier record de France avec 16 mastodontes. L'année d'après, 30 mastodontes. Et aujourd'hui, on en avait 40 inscrits, bon, un petit peu moins, 38 à la fin. Et donc là, on est encore sur un record mondial. Donc encore avec une équipe en or, l'AREA 51, tous nos sponsors, tous nos partenaires, des joueurs extraordinaires. Une super ambiance, le top, quoi, le top. Il y avait combien de joueurs là ? Là, on était à 245 joueurs et en tout, 396 personnes présentes. Sponsors, mastodontes, orga, tout le monde confondu. Une question ? Oui. Camoulox. Voilà, donc Mastodont Wars est terminé. Donc, Isoft, qu'en as-tu pensé ? Bah, comme l'année dernière, un super opus. Vraiment, j'étais content de pouvoir revenir et j'ai vécu la même chose que l'année dernière. Donc, vraiment très satisfait. L'AREA toujours au top au niveau organisation, préparation, la nourriture toujours un régal. Et c'était super sympa de revoir les mastodontes et d'en découvrir d'autres. Leur tenue est toujours aussi ouf et vraiment bravo à eux parce que c'est vraiment un challenge de tenir un week-end avec tout ça. Yes, donc Isoft était là en tant que vidéaste. Moi j'ai fait vite fait un peu de vidéo, donc genre 10 minutes en tant que vidéaste. Après je suis passé en mode joueur et en mode joueur on s'est éclaté comme des fous. J'en transpire encore. Et toi du coup Isoft, t'as fait Mastodont 2 et t'as fait Mastodont Wars 3. Tu préfères Mastodont Wars 2 ou 3 ? Pour moi il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. C'est vrai qu'il y a plus de joueurs sur Mastodont Wars 3, mais pour moi les deux OP c'est la même chose, les mêmes souvenirs, vraiment une éclate totale. Donc moi j'aime bien Mastodont Wars, il n'y a pas d'opus plus qu'un autre. Ouais, c'est vrai. Moi personnellement je me suis plus amusé sur Mastodont Wars 3. Peut-être le fait qu'il y ait plus de masto, ou peut-être le scénario qui est plus... plus intense. Le scénario là sur la phase 3 était vraiment excellent avec le coup des caisses et tout. Ça te mettait vraiment du challenge et c'était pas juste un affrontement genre joueur contre mastodonte. Là c'était vraiment des objectifs à remplir, il y avait une tension. Ils ont ajouté des nouveaux sortes de modes de mastodonte avec genre le Saint Mastodonte ou l'Impérieur, je sais plus si c'est le nom exact. Mais d'ailleurs la tenue était vraiment magnifique, elle est tirée de Star Wars. Le Prétorien. Le Prétorien exactement. Et vraiment ouf, ils ont vraiment mis les petits plats dans les grands. Même niveau pyrotechnique, c'était ouf, vraiment. Il y a un pro d'ailleurs qui était là pour ça aussi. Donc vraiment, l'Opus 3 est encore mieux parce qu'ils ont encore monté d'un niveau. C'était vraiment ouf. Ouais, même le fait qu'il y ait une petite histoire en début de cette OP, avec le petit enfant qui se balade tranquille, c'était magnifique. Ouais, c'est vrai, là-dessus, ouais, ils travaillent toujours le truc avec la voix off pour t'expliquer le scénario, ça te met dans l'ambiance. Là, en plus, il y avait une putain de sono, donc t'avais toujours des musiques, ça te hype. Ouais. T'avais l'impression, même moi, qui était extérieur en tant que vidéaste, t'avais l'impression de te croire dans un film, t'avais les musiques épiques, les mastodontes qui avançaient, tu te crois vraiment dedans, c'est vraiment immersif. C'est vraiment du roleplay, du GN, c'est vraiment un super événement là-dessus, puis ça te permet de montrer que c'est viable de jouer avec des mastodontes. Beaucoup sont réticents de ce point de vue là, ouais, c'est juste des joueurs qui sont invincibles externement, vraiment ça apporte quelque chose et ça le montre dans cette OP. Puis je pense que ça montre aussi que l'airsoft et le jeu de rôle peuvent vraiment fusionner ensemble, d'où par exemple la FEDGN, ce genre d'association ou de fédération. Exactement. Donc merci l'AREA 51 pour cette OP, Griffon pour ton organisation avec tes membres. Peut-être un Mastodont Wars 4 ? J'espère, ouais. Ça pourrait être génial, moi je serai de la partie, moi je viens direct, je signe. Pareil. Voilà. Allez, à plus les gars. Salut.